Les surprises que nous offre la nature sont parfois au-delà de la compréhension humaine. Elles sont par moments surprenantes à cause de leur beauté ou de leur architecture inimaginable. Si la plupart des gens sont admiratifs, pour certains, ces faits hors du commun sont difficiles à accepter. Ils émettent parfois l'hypothèse d'une ruse probable, d'une quelconque personne qui, avec l'intelligence artificielle, opère ses prodiges. Une petite communauté de Mpumalanga, située à l'extérieur de Nelspruit, a été traumatisée après qu'une femelle cochon ait donné naissance à un petit dont la morphologie diffère des bébés cochons habituels. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Intro. À la place d'un porcelet, une cochonne donne naissance à un humain. Le propriétaire de l'animal a immédiatement alerté le voisinage. En effet, la femelle cochonne a donné naissance à un humain en lieu et place d'un bébé cochon. Les porcines généralement donnent naissance à de nombreux enfants, sauf que cette fois-ci, l'étrange bébé était le seul à sortir d'elle. Le propriétaire a tout de même décidé de garder le petit. Et celui-ci a grandi normalement comme les autres porcs, laissant ainsi les habitants de la communauté à toujours s'interroger sur les raisons qui auraient pu amener la porcine à produire un humain comme bébé. De plus, c'est le premier incident de ce genre survenu dans la communauté. Le chef de la communauté et ses partisans ont ainsi amené le bébé cochon, ou le bébé humain devrons-nous dire, au Sangoma, un centre vétérinaire, afin de déterminer si une éventuelle maladie porcine serait à la base de cette naissance, craignant de voir le bétail disparaître un jour. Néanmoins, la communauté soupçonne le cochon d'être un être démoniaque, ou que quelqu'un de la communauté aurait pu faire quelque chose en privé avec la femelle porcine, ce qui a abouti à ce bébé qui est presque humain. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle de la zoophilie. Le cochon, en l'occurrence, a les caractéristiques d'un humain, y compris l'enseignement, l'expression du visage ou encore deux jambes. Cet incident a ainsi secoué la communauté. Et les gens ont commencé ainsi à prédire, et peut-être le signe, que la fin du monde est proche. Quant à d'autres, ils soupçonnent les sorciers d'avoir utilisé le cochon pour faire leurs mauvaises actions. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire, de l'apparence de cette cochon, de la réaction de la communauté, ainsi que celle du propriétaire de l'animal. Ce sera un plaisir pour nous d'en débattre avec vous.